Eh bien, salut tout le monde, c'est Foxy, j'espère que vous allez bien pour ma part, moi c'est nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale où, tout simplement, je vais vous faire une dédicace. Et oui, aujourd'hui, je décide de faire ma vidéo dédicace où je vais faire des gros dédicaces à quelques personnes actives, inactives, etc. qui sont en vrai pour moi des amis, voire même des amis, mais plus que des amis, des gens que je peux considérer comme les membres de ma famille. On est parti. En première personne, il fallait que je la fasse en première. Il s'agit tout simplement de ma meilleure amie du lycée, Yoshi 25 Land Yoshi. Donc, je vous dis pas les vrais noms ou les vrais prénoms, mais en tout cas, si jamais vous êtes... Vous voulez voir des jeux Switch, du Gacha Life ou des jeux d'autres jeux mais de la licence Nintendo, à part les miennes, allez la voir parce que franchement, elle a déjà. Bon, il y en a certaines que je regarde pas, c'est normal parce que c'est pas vraiment. Je dis pas en fait que son contenu n'est pas intéressant, bien au contraire, mais en fait. Disons que je suis. Qu'il y en a certains où je suis pas fan. Genre par exemple. On va faire un exemple tout simple. Bon, elle va pas me détester parce qu'on est, comme je vous l'ai dit, on est très amis, donc je l'ai déjà dit. Mais les jeux Yokai Watch, pour moi, c'est pas un truc qui m'intéresse fortement. Et puis, de toute façon, je vais vous mettre une vidéo pour vous prouver que. Et que elle et moi on est amis. Hop, bête. Bonjour à tous, c'est J25Land et aujourd'hui on se trouve une petite live de Foxy Family. Je veux faire une petite blague pour son retour. Comme il le dit à chaque fois, il est toujours de retour. Il marche, hein? Non. C'est juste pour blaguer, hein? Je regardais sa vidéo, c'est ce que ça va être. J'avais oublié de quitter. Et ça commence. J'espère que. Voilà, je vous en mets pas beaucoup. Donc. Yoshi, Mickey. Nicotine. Donc ouais, donc il fallait vraiment que je la fasse ce petit dédicace à elle en première parce que comme je vous l'ai dit, c'est l'une de mes meilleures amies, donc c'est un peu normal. Donc en deuxième personne, alors c'est une personne qui est très active sur ma chaîne, mais malheureusement elle est de moins en moins active sur sa chaîne YouTube. Il s'agit de la chaîne de Mathieu et Emma Gaming. Mais en vrai, c'est. Elle a oublié de changer, mais maintenant son vrai prénom. Enfin, elle va mettre son vrai prénom. Il s'agit tout simplement de Emma Anderson. Donc. C'est vraiment dommage parce que. C'était en tout cas l'une des personnes que j'appréciais le plus. Et en plus. Ouais, j'ai dit deux fois en plus, c'est pas grave. Au début, elle était tout simplement une créative de skins. Et donc, elle se faisait plaisir avec... Avec des skins totalement moisis, mais totalement ouf aussi. Donc, elle fait à chaque fois pas énormément de vues. Mais... Honnêtement, c'est une personne que j'apprécie grandement. Oui, la vidéo sera en mode bordélique, c'est pas grave. De toute façon, vous adorez quand c'est le bordel. Et donc, je vais vous montrer la vidéo
que j'ai un peu plus apprécié pour sa chaîne. Donc à chaque fois, je vous mets des petits extraits. Vous avez vu comment elle s'est trompée? Alors oui, donc Mega Foxy ou Chelsea de Rhodes. Donc Chelsea de Rhodes, c'était mon tout ancien compte premium, alors que Mega Foxy est tout simplement un de mes comptes craqués. Et donc voilà. Hop, on se retrouve pour la troisième dédicace. Donc en troisième, il s'agit de la chaîne Laura Productions. Donc c'était une très jeune youtubeuse. Et elle fait des, comme on le voit ici, elle fait plein de mini-séries Gacha Life. Moi, mon préféré, ça restera toujours la même chose. C'est son épisode spécial sur Foxy et sa famille. Honnêtement, ils font un super taf. Enfin, elle fait un super taf. Moi, je n'ai rien à dire. Je vous mets juste un extrait de l'épisode 2, qui est absolument génial. Voilà, le petit pouce en rond, le petit pouce bleu. Voilà, donc j'arrête, hop. Ici, donc, ça fait déjà trois personnes. On va se retrouver pour la quatrième personne. À tout de suite. En quatrième personne, il fallait que je le fasse aussi, lui aussi. Parce que c'est une personne que j'ai rencontrée personnellement en IRL et c'est un garçon.
garçon, enfin, oui, c'est un garçon extrêmement sympathique. Il s'agit de Farod, de la chaîne Farod. Son vrai prénom, c'est Clément, donc Clément Farod. Je l'ai rencontré à Fréjus, donc dans le Man Game Show à Fréjus. C'était assez ouf. Il était avec Tartinex et j'avais posé la question si. J'ai pas pu le post le... J'ai pas pu lui dire, mais je lui avais posté la question, c'était quoi son creepypasta préféré? Il m'a direct répondu comment ça s'appelle? Candle Cove, voilà, Candle Cove. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est Candle Cove, c'est en fait une vieille série, une vieille animation télé présentée avec des marionnettes à un enfant et le dernier épisode était assez creepy. Et donc je vais vous mettre l'épisode qui, pour moi en tout cas, m'a fait le plus de plaisir à regarder. Il s'agit tout simplement de, si je le retrouve, voilà, c'était celui-là. Hein? Ah merde, j'ai plus de son. C'est pas grave. On va terminer la vidéo. Et donc je vais vous présenter mon tout dernier perso, mon tout dernier, le tout dernier YouTuber que j'apprécie énormément et que j'ai aussi rencontré personnellement, enfin en IRL. J'avais d'ailleurs mis une photo de lui. Il s'agit tout simplement de Stefano, donc Stefano pour les plus intimes. Alors là en ce moment je suis fortement fan de ses vidéos, mais il y a fort longtemps dans les anciennes séries, pour ceux qui connaissent pas. Dans les anciennes séries, notamment, il faut que j'en retrouve l'une de mes séries qui m'a le plus marqué et qui m'a fait le plus plaisir. Alors non, donc pour info, ce n'est pas Instagram contrôle ma vie, ça je suis pas du tout précieux. Les choix d'Instagram, ça tout le monde le fait. Il était où? Désolé si c'est un peu long les gens. De toute façon, ce sera un épisode assez long. Donc ce n'est pas Stefano Storytime, ce n'est pas les FK, ce n'est pas les Creeper Island. Quoique Creeper Island, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une sorte de survie. Et c'était assez bien, quoi. Mais bon, pas assez cool. Non. Moi, les meilleures vidéos, enfin les meilleurs jeux. C'est mon avis, hein, mais le meilleur jeu pour moi, ça a été, il faut que je le retrouve, voilà, ça a été le jeu Outlast. Donc, Stefano l'a fait en plusieurs façons, il l'a fait en normal, DLC et le 2. Donc ça, plus Minecraft, Across the Time, qui était une série assez cool, mais assez rageant aussi pour lui. Et ça peut se comprendre. Et enfin, Portal. Alors, lequel? Les deux versions, donc la version multi de Portal 2 et la version solo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez le like, vous abonnez à cette chaîne immédiatement. Franchement, si vous avez apprécié et que vous avez liké, abonnez-vous parce que c'est pas la seule fois que je ferai des dédicaces. J'en ferai plusieurs au fil du temps. Là, j'avais envie, tout simplement. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Foxy. Bye les gens. Bye.